Bienvenue à l'entraînement à la conduite au dépôt d'Arennes. Vous pourrez passer en revue la façon d'opérer un élément automoteur électrique BR442 Talan 2. Nous allons brièvement vous exposer la préparation du train, les commandes essentielles de conduite et le transport des passagers. Pour commencer, montez à bord. Durant une opération normale, cette rame puise de l'électricité à partir de la caténaire via un pantographe. Cependant, puisque le pantographe est actuellement abaissé, nous devons mettre en route les systèmes initiaux en allumant la batterie auxiliaire. Asseyez-vous sur le siège du conducteur. Une fois que tout est démarré, utilisez l'interrupteur principal pour déverrouiller le tableau de bord et allumer les écrans multifonctions. L'inverseur détermine dans quel sens l'élément automoteur se dirigera. Maintenant, activez le pantographe pour qu'il se lève et entre en contact avec la caténaire. Configurez l'éclairage extérieur pour une opération normale. Positionnez le frein indirect sur desserrage. Ce dernier n'est généré. Pour finir, débloquez le frein à main. Utilisez le manche du manipulateur de traction-freinage pour appliquer de la traction et vous déplacer. Avancer en roue libre est une méthode efficace qui permet de se déplacer à une vitesse constante tout en réduisant la tension du moteur et les besoins de maintenance. Appliquez une légère force de freinage pour assurer un arrêt en douceur. Jetez un œil aux alentours du quai pour vérifier que la voie est libre avant de déverrouiller les portes. Bei der Einfahrt.
C'est l'heure du départ. Verrouillez les portes. Continuez jusqu'au prochain arrêt à Aachen-Rotte R2 sans aucune aide. Voyons comment vous vous en sortez. Bon travail. Nous avons couvert les bases sur la conduite de ce train.
avancer en roue libre. Ça permet de respecter la vitesse et dans le même temps d'être à l'heure. Puis ça nous permet aussi de pouvoir essayer tout du moins de ralentir. En plus, on est à l'heure. On va être à midi 19 à l'autre arrêt. Donc on est à l'heure. C'est... Alors c'est un autre train. Non, ça c'est... C'est un autre train. C'est pas le TGV là. C'est un peu... C'est un peu le petit frère du TER. Putain, on va être... Alors si on est à l'heure, je paye l'apéro. Je passe un peu ce qu'il sait. Alors normalement c'était pas prévu du train, mais la vidéo qu'on tourne là sera publiée demain. C'est une vidéo pour demain. On va ralentir. Commencer à ralentir un petit peu. Alors pas trop parce que sinon on va devoir réaccélérer. À ralentir un peu, on est en roue libre hein. Donc, on va être même un petit peu à l'avance. On n'a pas besoin de gérer le frein de parc là. Enfin le système de freinage puisque on a juste une touche à gérer. On va commencer à ralentir là, on va être en retard. On va être en retard. Non, on va pas être en retard, on va être. Alors là, un gros système de freinage parce que bon, on arrive quand même à. Si vous pouvez essayer de ralentir un petit peu avant, ce serait pas mal. Comme ça, vous baissez votre vitesse et vous n'arrivez pas trop vite là où vous devez aller. Et une fois que hop là, vous arrivez un petit peu trop vite en gare, vous baissez l'intégralité au maximum. Voilà, et il va réduire tout seul sa vitesse. Voilà. Normalement. Allez. Eh ouais, nous sommes à l'heure. Non. C'était pas les bonnes portes. Alors. Attendez. Bonjour. Alors pour voir le programme, c'est très simple. Vous allez dans programme et vous voyez, il y a encore tout ça à faire. Donc voilà, encore tout ça à faire. Il y a encore pas mal de choses à faire. On part en retard. Hein. Allez, c'est parti. On part à l'heure, donc on a 4 minutes pour faire 7 km 3. C'est calme, hein. Alors pas de vidéo le mercredi, c'est pour ça que j'ai calé un stream à 16h. Alors il y en aura peut-être un le mardi matin, mais ce sera pour la vidéo du mardi. Et celle du mardi après-midi, ce sera pour le stream, enfin pour la vidéo du mercredi après-midi. Donc il n'y a pas de stream mercredi. Par contre, cette vidéo-là, vous pourrez la retrouver demain matin. Attention, non, c'est bon. On va pouvoir commencer à pousser la machine. Allez, vas-y tonton, sac dedans.
fois que vous avez atteint votre croisière, votre vitesse de croisière, vous pouvez vous mettre en roue libre. C'est-à-dire en roue libre, c'est-à-dire que c'est le train qui va contrôler la vitesse. Regardez. Si je veux, je peux mettre la vitesse à fond. Donc là, je suis sur une, on va dire approximativement bonne croisière une fois que vous avez atteint. Faut pas attendre d'avoir atteint le point rouge pour se mettre en vitesse de croisière, bien sûr. Une fois que vous avez atteint, voilà, on va dire 140 km/h, vous commencez à vous mettre en roue libre. Alors ici, la roue libre, c'est moins. Voilà, c'est là. Vous vous mettez en roue libre, comme ça vous êtes sûr que vous dépassez pas la vitesse autorisée. Ah, on pourrait, hein. Honnêtement, on pourrait, hein. Mais non. Honnêtement, on pourrait, mais on pourrait. Alors, on pourrait, non. Dépasser la limitation de vitesse, non, on pourrait pas. Mais honnêtement, on pourrait. C'est pas un train qui, c'est pas un TGV déjà. C'est un, on va dire un mini TER à la version allemande. Et le but, c'est pas de dépasser, c'est pas de se dire, bah, il y a un point, il y a un point à respecter, il faut que j'aille jusqu'au bout du point. Non. Il faut, bah, vous roulez à des vitesses modérées, on va dire. Alors, vous pouvez redonner un petit peu de vitesse à votre train, mais pas plus. Parce qu'il va falloir, on va être en retard de toute façon, mais il va falloir commencer à ralentir au bout d'un kilomètre. Mais il faut que vous vous disiez sur ce train là en tout cas, il faut que vous vous disiez, voilà, à 140 km/h, faut que je commence à réduire. Voilà, là bientôt on va commencer à réduire notre vitesse de croisière. Alors on va se mettre en roue libre tout de suite, parce que là on est un petit peu au-delà de la limite autorisée. On doit rouler entre 140 et 141 et on va commencer, voilà, hop, à réduire petit à petit. Là on est à moins 15, on va commencer à réduire parce qu'on arrive dans 1,5 km. Et vous ralentissez pas un train comme vous ralentissez un bus. Donc là, quand on aura passé le cap d'un kilomètre, voilà, on va commencer. Là, ça va commencer à chuter, voilà. Pas arriver non plus à fond de balle. Ah bah, de toute façon, on aura toujours du retard. Hein. N'attendez pas à ce qu'on soit toujours à l'heure. Hein. Le jour où vous verrez la SNCF à l'heure. Allez, normalement ça doit aller. Allez, 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 allez. Ouais. Oh, normalement ça doit pas. Normalement vous devez pas. Vous devez vous arrêter pile à l'endroit. Mais c'est rare que vous vous arrêtiez pile à cet endroit. Hop. Vous l'avez eu votre vidéo, c'était sur du mardi, vous l'avez eu, c'était train simulation. Alors attention, parce que là, attention,
il va vraiment vraiment falloir faire très attention parce que là, on n'a que 3,3 km à faire. On n'a que 2 minutes pour le faire. C'est un T. Vous voyez le TER? Bah, c'est un peu le TER façon allemande. Le code de la route reviendra bientôt, vous inquiétez pas, j'ai pas oublié. Le code de la route reviendra. Jeudi, le code de la route. Jeudi, c'est deux vidéos, code de la route et F1. C'est bus simulateur, c'est le lundi. Et train le lundi et le mardi. Alors vous avez le choix, soit vous commencez à ralentir maintenant, soit vous commencez à rentrer. On va dépasser. Alors là, vous allez le voir qu'on est vraiment rentré dans la gare, hein. On a même légèrement dépassé le quai, mais on y est. C'était à gauche, hein. Par contre, est-ce qu'il va redémarrer du coup? Voilà. Il s'était mis en freinage d'urgence. Alors là, mon ami, on part à l'heure. Mais ça veut pas dire qu'on arrive à l'heure à l'autre gare. Enfin, à l'autre à. Là où on doit s'arrêter. Bon, alors, si on regarde bien, c'est le dernier arrêt. Eh non, c'est pas le dernier arrêt. Il nous en reste 1, 2, 3. Il nous reste 3 arrêts. Donc celui d'après, celui encore d'après et celui d'après. Et après, on aura terminé.
On est à l'air! On est à l'air! On a une minute d'avance! On a quelques minutes d'avance, hein. Quelques. Vraiment, vraiment minimes, hein. La SNCF est à l'heure. Alléluia! Parce qu'en fait, la vidéo que je vous tourne là, elle est, la vidéo est prévue pour demain. La vidéo d'aujourd'hui, vous l'avez déjà eue. Donc, du coup, je suis trop en avance, faut que j'attende du coup. Non, mais j'attends pas, j'y vais. J'y suis à l'heure. Mais pas. On part à l'heure. On part un petit peu avant, mais on part à l'heure. Il s'est passé que là le train s'est mis en arrêt. Regarde pourquoi des fois sinon on arrête.
sais pas. C'est pas logique. Alors, tu m'expliques pourquoi tu repars en marche arrière, toi? Ouais, oh! Pourquoi tu repars en marche arrière? Alors, c'est le même problème que l'autre coup. Alors, c'est le même problème que tout à l'heure. Vous savez pas pourquoi, mais moi je sais. Voilà. Mais pourquoi? Pourquoi tu pars en marche arrière? Stopping and go. Pourtant, t'as pas mis la marche arrière. T'as pas enclenché la marche arrière pourtant. Ah! Bah ouais, Gogolite. Gogolite. Je comprends mieux. Bon bah. Moi qui disais que la SNCF était jamais en retard. Moi qui disais que la... Non, c'est celle-ci. Aster, il veut plus partir. Aster, il veut plus partir. Alors, pourquoi? What is it, please? Explique à tonton ce qui va pas. Ah, on a carrément arrêté le train au milieu de l'arrêt là. Bon alors, va peut-être falloir que tu m'expliques, hein. Ah! 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 La SNCF a trouvé le problème! Désolé,
C'était le même problème que tout à l'heure en fait, tout a été mis en sécurité. Ah bah du coup on est en retard de d'au moins 10 minutes. Du coup on est un petit peu en retard. Mais bon, c'est pas grave. C'est un jeu de simulation. Ah, la sympathique du jeu, la sympathie du jeu. Ben, c'est comme ça, écoute. On est là pour apprendre. Bon, bien sûr, faut pas que ça arrive tout le temps. En fait, je vous explique ce qui s'est réellement passé. Allez, allez, oui, ça va aller au bout, ça va aller au bout, ça va aller au bout, ça va aller au bout. Ça va même aller un petit peu plus loin. Ah oui. Ouais! Putain, je suis en retard. Enfin, purée de pois cassés. Ah là là, la simulation d'un train. Magadamis. La simulation d'un train. Du coup, évitons de partir en retard. Ça m'arrangerait. Oh là, oh là, oh là, eh oh. Ah non. Hein. Ah non. Ça va pas recommencer. Ah. Ah. Eh oui, banane, t'as pas verrouillé les portes. Oh la vache. Oh la vache. La vachette. Oh la vachette. Je sais pas ce qui s'est passé ni comment c'est possible, mais j'ai pris plein d'abonnés sur YouTube, sur. Ouais, sur Insta, j'ai dû prendre une trentaine d'abonnés là. Ben, c'est parce qu'en fait, on a légèrement redimensionné. Non. On a légèrement redimensionné. Par contre,